Bon. Ben, ça repart. C'est ça, dans mon écran. Ok. Direct qu'on s'était laissé ici. Fait que là, je vais prendre mon TP pour remonter à Rose Fleurie. On n'aura pas le choix d'aller faire la suite de quête. La vérité va être plus tard. Après moi, on est dans une des dernières vidéos. Il y en aura plus long après. Aucun respect. Vous cherchiez quelque chose? Ne cherchez plus! Et maintenant, qu'allez-vous faire? Les gars. J'ai pas honte pantoute, il m'a crié après. Bon, j'y ai dit. Hop! De la ville sont priés de fredonner des airs populaires aux pèlerins de passage. Nous en promettons pour vous. Pourquoi t'as sauté dans l'eau, crétin? Là, t'as tout mouillé ta petite fourrure de loup, là, imbécile. Après ça, on va être ici. Pas de zone. Ouais, la zone non autorisée, je m'en fous. Bravo, vraiment! Continue comme ça. Let's go, ça part! Requiem. Introduisez-vous dans le château Saint-Ange et allez trouver le pape dans ses appartements. Ne vous faites pas repérer. Man, as-tu déjà été ça, toi, assassiné? Wait, l'autre bord. Faut que je monte en haut de celle-là. Site, mon gars. De quoi il va m'ordonner, genre fois deux. Non. Hop. À partir de ici, ça va mieux. Pas likely. Oh! Cesare? J'exige de voir le pape! Sa sainteté vous attend tout en haut du château, dans ses appartements. Hors de mon chemin! Comment ça capotait, mon gars? Trouver la porte secrète. Oh! J'ai trouvé le truc! That reflex saved me. Fouf! Chiche! Il était mauvais de me faire repérer pour rien.
On va voir la vérité en même temps que la mission! Let's go! Oh my god, the last one. Parce que là, ça paraît pas, mais moi, je l'ai fait les trois derniers d'affilée, là. Fait que là, il y en a encore un autre. C'est sombre chez nous, j'ai peur. En plus, mais où t'es-tu? Tu m'as manqué. Chargement. Oh my god. Peuvent être durs des fois, eux autres. Celle-là, ces deux-là, lui, avec l'avant-dernier. Et le dernier avec le premier. Ok. Et le centre est comme ça. Non. Le blanc va le bas. Comme ça. Ok. Tac. Ces trucs, c'est vers le haut. Ça devrait être comme ça. Non, pas tout à fait. Lui puis lui bouge ensemble. Puis lui il bouge. Ok, fait que lui il manque 1, 2, 3, 4 shots. Il manque 4 shots. Fait que là lui il faut qu'il bouge 1, 2, 3, 4 shots de même. Ces deux là. 1, 2, 3, 4. Il manque juste les derniers. Fuck! Puis il bouge ces deux-là. Puis lui, il en manque. 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Correct. Il faudrait que je bouge les deux derniers. Il manque combien pour s'en mettre égal?
4. 4 lui aussi. Fait que 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il manque juste ces deux-là. Ah! C'est lui, il faut qu'il bouge. Mais il fait bouger le milieu. Puis lui, il faut qu'il bouge. 1, 2, 3, 4. Non. Oui. Il faut qu'il bouge de 4 lui aussi. Ça veut dire que lui. Ces deux là. Fait qu'avec le grand même, il suffit qu'il soit droit. 1, 2, 3, 4, 5. Y a rien qui fait bouger le dernier à part lui-même. Fait que le dernier, il faut que les deux de même se placent en dernier. Lui au centre contrôle ces deux là. Fait que ces deux là, 1, 2, 3, 4. Les autres ils marchent ensemble, ils sont du bon sens. Comme ça. Ça veut dire que lui au milieu, il faut que je le tasse. 2, 3, 4. Parce que lui en dernier, on va le faire tourner de 1, 2, 3, 4. C'est vraiment de 4 vers la droite. On va à la gauche. Donc tu vas la gauche, ça veut dire que lui, 1, 2, 3, 4. Lui. Les autres, ils font bouger les deux ensemble. Comme ça. God.
ce serait le milieu. Ah! Oh, meilleur des mondes, quelle main, quel œil immortel purent fabriquer ton effrayante symétrie. Chargement. Centre de raisonnement activé. Je comprends. Je comprends ce que je dois faire. Pourquoi je suis ici? Je dois... Centre de mémoire long terme activé. Non. Non. Arrêtez. Arrêtez. Tuez-moi. Chargement. Pauvre sujet 16. Ouf. Un produit que nous fabriquons sans main ni machine. Que nous fabriquons sans main ni machine. Un produit économique, ce serait ça? Le touriste? Ça pourrait-il? Non. Un produit que nous fabriquons sans main ni machine. Un produit. Touriste. Non. Il y en a une là-dedans qui est pas correct. Pourtant, ça
dit, me semble, un produit économique ou... Que peut-on produire sans les mains? Une idée? Ouais, c'est ça. C'est ce que je pensais. Ça serait une équation. Mais... Ah, ça se peut que ce soit genre des écoles, puis je le sais pas. Je suis pas assez cultivé pour savoir ça. Genre ça... Ça... Ça, la débrouillardise. Produire sans les mains. Une idée? C'est ça. Alors, que peut-on produire sans les mains? Oui, je sais, ton indice. Une idée? Une idée. L'idée. La liberté. J'avoue que j'en ai aucune idée. Oh, oh, lol. Un produit que nous fabriquons sans main ni machine. Des enfants? L'humain? Largement. La population. C'est purement génétique. Ils sont tous nés comme ça. Nous n'avons même pas besoin de les convaincre d'accepter.
Chaque jour qui passe, le peuple est un peu plus fort. La liberté prend son envol, annonçant la révolution. Tous contre eux unis. Nous sommes en train d'échanger. Un autre consensus se dessine. Les assassins. Les assassins. L'envol. Oiseau qui est là. Un autre symbole des assassins. Rien n'est vrai, tout est permis. Police. Avec le logo des assassins, non? Mais l'oiseau, c'est le symbole de la liberté. Coordonnées correctes trouvées. Ok. Le 2 est égal au 6. Donc le 4, c'est aucune idée. Le 8 est égal au 1. Donc le 2, c'est 13. Le 21 est égal au 0. Donc le 4, on le sait pas. Et le 5 à 5. Donc le 2, on le sait pas. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 24, 45. 2 à 3, ça fait 1. 3, 5, 1, 2. 5 à 8, 3. 8 à 13, 5. 13 à 21, 8. 21 à 24, 3. 24 à 45, 24 à 45. Ça ferait presque 20, ça fait 19. C'est le chiffre d'avant. Le 2 à 3, ça fait 1. Fait que ça veut dire que le 2 live up serait égal à 1. C'est le 5 égale 5. Le 8. Ah, le 8 c'est 21. Je suis con. Lui, je l'ai. 21. Mais si le 8 est égal à 1. Le
0. J'ai lu celui-ci. Le 0, c'est 5. Puis ici, c'est le 21 qui est sur le 0. Ça fait en sorte que le 4, on le connaît pas. Ok, c'est ça. Mais comme je dis, ben ça veut dire que c'est 1. Moi, je pense que c'est 1. Existe-t-il 1? Ça veut dire que ça serait une suite. Ça veut dire que 2, c'est le premier. Parce que de 2 à 3, ça serait 1. Ça fait 1 de plus. De 3 à 5, c'est 2. Si ça se trouve être le 2 qui est là. De 5 à 8, c'est le 3 qui est là, au 6. De 8 à 13, c'est le 5 au 7. De 13 à 21, c'est le 8 au 8. Après ça, il y a le 21 à 24 qui se trouve à être le 3 de 13. Moi, c'est ce que j'avais compris. Puis après ça, par exemple, le 45, ça serait plus 21. 24 plus 21. Ouais, c'est ça. 24 plus 21. Le 8, après ça 24 à 45 ça ferait plus 21, ça ferait ça, fait 45 plus 24 ça fait 4, 5, 6, ça fait 69, fait lui 69, 69 plus 45 on est sur du 111, non, c'est pas 111. 69 plus 45, ça fait 100. 5. 113. Ça existe-tu? Non? Hmm. Mon raisonnement serait pas ça. C'est juste parce que c'est... ...21 à 24, ça serait le 3. C'est juste là que ça bug. 21 à 24. C'est vraiment 13, parce que le 13 plus 21, ça fait pas 24. D'habitude, tout ça, tout est ça, à peu près. Ça veut dire que le 4, j'aurais pensé que c'était 1. Mais c'est pas ça. Les chiffres sur la roue changent de façon drastique. Serait-il possible que chaque valeur soit traitée différemment ? Regarde la colonne des unités. Ouais. Et celle des dizaines. Un indice, mon gars. Sauf que 5, 8, 13. Après ça, 21. Oh, 24. Pourquoi juste un bond de 3 là? 45. Thank you.
petit gros big. What the fuck? Regarde la colonne des unités, puis la colonne des dizaines. Non. C'est dur de savoir d'où est-ce que ça commence. Les chiffres sur la roue changent de façon drastique. Serait-il possible que chaque valeur soit traitée différemment? Regarde la colonne des unités. Et celle des dizaines. La colonne des unités 2, 3, 5, 8, 3, 1, 4, 5. On remonte de 3. Christy de Boswell de bâtard. Mon cerveau est brûlé bien raide là. Faire boire tard. Fait que j'en ai un qui est pas bon. Ok, on commence. Le 6 gris et 2. Fait que le 4. Ah, ok, c'est ça, je l'ai pas. Le 6, 2. Donc le 4, j'ai pas. Fait que peut-être que mon raisonnement était bon d'abord. 45 plus une 4, ça serait que tu me dis 4. Ça veut dire que ce serait 51. J'aimerais ça le 8 avec le 1. Ça fait 65, ça ferait 69, mais j'allais pas 69. Ah,
C'est quoi, les unités augmentent de 1, 2, 3, 5, 8, 1, 2, 3, 5, 8. Ah, ça serait ça. 1, 2, 3, 5, 8. Après ça, ça monte de... 1, 2, 3, 5, 8. 3. Après ça, ça veut dire... 11. Ça remet un 3. Le 4 a monté de 1 à 45, mais des unités de 2. Ça voudrait dire que, mettons que je continuerais de même, le 4 ça deviendrait un 5-6. Le 5-66? Puis après ça, l'autre, ce serait 87? Ça remonte de 3 au lieu de 2. De même? Fuck off, grow big. Le 8 à 1. Le 0 c'est 5. Ça marche. Le 21 à 0. Donc le 8 à 21. Le 4. Le 6 avec 2. Ça serait logique. Après ça, ça monte de 8. Après ça, ça monte de 3. Après ça, ils vont monter. What the fuck? Les chiffres sur la roue changent de façon drastique. What sounds? Serait-il possible que chaque valeur soit traitée différemment? Regarde la colonne des unités. Et celle des dizaines. Oui, mais y'en ont pas! Chaque valeur serait traitée différemment. 24 à 45. C'est 19 qui les séparent. Non, c'est 21 qui sépare. C'est ça, 45 à 24. Qu'est-ce qui sépare? C'est 21. plus 24, 45.
24 plus 45. Ferait 69. Mais il l'a pas 69. Fait que c'est, ça se bloque de même, ça marche pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi leur calcul dans leur petite tête de con? 2, 3, 5, 8, 13, 21, 24, 45. Sauf ça monte, fait que je sais que ça doit pas être en bas de ça. Aïe aïe. Mais les autres ils m'y donnent. Fait que si j'y vais en ordre, mettons de même. Puis que je mette quoi de plus haut. Donc ça monte drastiquement là. Pas le choix de mettre ça. Pas le choix de mettre l'autre. Ok. 334. Pas le choix de mettre plus haut. C'est pas ça. 51. Là, ça commence à être plus haut, mais. Ah, ben. 89, 334. Chargement. Fait que là, c'est 45, 89, 334. Oh my god, que j'ai pas compris! Sauf que les deux étaient corrects, fait que j'étais allé par déduction. Par. Oh my god, j'ai le cerveau qui va exploser. Je me l'écris, je veux comprendre. En fait, on va aller le checker en ligne, voir c'est quoi le. Ok, activité cérébrale anormale, ouais, effectivement, découverte chez des enfants âgés de 3 mois à 18 ans et chez des adultes de moins de 30 ans, extrait. Plusieurs études récentes menées par des équipes marketing internes en sont arrivées à cette conclusion, les ventes dans le secteur du divertissement sont en chute libre, tandis que l'insatisfaction augmente, l'économie connaît une phase de grand bouleversement, toutes les études du marché indiquent que le système devrait se stabiliser alors qu'en fait c'est exactement l'inverse qui se produit. Pour approfondir cette étude, notre équipe a tenté de connaître les raisons qui font que les méthodes de contrôle mises en œuvre par Abstergo sont moins efficaces. Les études déjà menées sur l'activation bilatérale du cerveau survenant quand un sujet suit un programme télévisé, regarde un film ou utilise un jeu vidéo ont mis en évidence les modèles SRAA caractéristiques provoqués par les signaux Abstergo. Notre étude a été menée sur un panel représentatif de 30 individus âge plus ou moins 10 à plus ou moins 30 qui regardaient leur poste de télévision pendant que nous leur faisions passer une IRM fonctionnelle. Contrairement à ce qui est ressorti des études menées précédemment, 80% des sujets de test ont présenté une activité cérébrale importante localisée dans l'aire corticale. Des scanners précis reposent sur notre prototype de machine IRMD ont révélé un taux plus élevé de développement neural.
plus ou moins 30% au-dessus de celui d'autres groupes plus âgés. Une augmentation aussi notable ne correspondant en rien au modèle darwinien. D'autres études seront nécessaires pour déterminer quel sera l'aboutissement de cette évolution anormale. 1. Rapport marketing trimestriel d'Abstergo du 17-04-12. Chargement. Puis dis-moi qu'il n'y a pas trop d'autres choses, là. Ah, merde. Ah. Abstergo, janvier 2. Oh my god, Canada! Concentration. Littéralement un zigzag. Le moins haut, c'est le fond à droite. Fait qu'il faut qu'il monte juste à peine. Comme ça. Ensuite, faudrait faire baisser un peu le premier et relever celui-là. Mais lui va baisser beaucoup. Ça veut dire qu'il faudrait le faire remonter. Tandis que l'autre devrait rester égal. Il n'y a pas de premier à égal. L'avant-dernier doit descendre pas pire. Qui monte tandis que lui descend un peu, puis lui monte, lui redescend, donc descend, monte, descend, descente, monte, descend, descend, monte, descend, descend, monte, descend, descend, monte, descend, descend, monte, descend. Il y a lui qui est popé. Descendre, puis l'autre aussi, faudrait qu'il descende. Donc j'en ai deux qui devraient descendre. Ces deux-là. Mais lui, il descend beaucoup trop avec ça. Lui, il monte. J'ai comme pas le choix. Ça veut dire qu'il faudrait que je redescende les deux premiers. Descend, descend. Remonte. T'es proche là. Puis lui, il faudrait qu'il descende puis qu'il remonte un peu. Égal, fait chier. Il n'y a pas le choix de bouger. Lui, il faudrait qu'il descende un peu. Très haut, deux qui descendent beaucoup. Ceux-là sont en ligne droite. Ils sont contrebalancés. Après ça, les deux autres qui descendent beaucoup, c'est eux. Puis lui. Juste à faire descendre un peu lui puis monter un peu lui, fait chier. Ah, celui-là il serait correct.
Là, ce serait... my god. Le dernier, il faudrait qu'il remonte. Il remonte, il descend. Oups. Lui, il descend trop dans ce temps-là. Descendre tout gros le premier, c'est fou. Ce serait juste le dernier qui monte beaucoup trop. Donc le premier doit descendre puis l'autre monter. Ah! La même affaire. Mais avec lui qui descend. Dernier a trop monté. Donc, ce serait peut-être lui le pas bon. Monter, descendre. Il descend trop. God sake, c'est incroyable comme puzzle, c'est des génies des fois. Donc là, il faudrait, mettons, que ces deux-là soient plus bas que les autres. Mettons le premier puis l'avant-dernier. Comme ça. Puis lui, il descendrait. Fait, faudrait qu'il redescende un peu puis que les autres, ils montent. Tandis que lui, il redescend. Descend. C'est lui, il monte. Il fait une belle ligne droite. C'est comme ça. Lui, il descend trop. Lui, il remonte, il redescend un peu. Lui, il remonte, lui, il redescend. Tic de chien. Ah! La même affaire, monte, descend, monte, mais qui finit par descendre en moins. Monte, descend, moins, monte, descend, moins. Monte, descend. Ah! Ain't no way! Oh my god.
de sens, c'est trop proche. À celle-là. Pareil pour celle-là, j'ai une ligne égale. Lui, il serait capable de juste se monter d'une shot. Si je fais monter celui du milieu, monter deuxième, redescendre le premier. De même. Deuxième qui se fait, ok, qui est neutre. Donc ça serait le dernier qu'il faut qu'il monte moins. Il faudrait qu'il descende beaucoup. Dropper, puis lui doit monter. Le dernier doit dropper un peu. Le seul qui dernier drop un peu, il est là. C'est même trop. Mais je peux le refaire monter avec celle-là. Pas assez. C'est-à-dire que lui fait trop monter celle-là. Là. Le dernier drop trop. Il
tout ce qui me fait monter, me font monter au max, sauf eux autres, ça n'a pas d'allure. Ça n'a aucun sens. Premier que j'ai pas. Fait chier. Oh, ça a pas de sens, sérieux, là. Difficile là, votre affaire là. Vous avez mis beaucoup des combinaisons là. Pff, fucking shit de calice. Ah, pas de sens. Et là, c'est exactement l'inverse. Sens, ce petit calice, je m'en fais une vidéo juste là-dessus, c'est dumb, ce petit puzzle. Tintin. Tellement de combinaisons différentes, ça, c'est stupide, Chris. Oh my god. Si vous écoutez cette bande, c'est que j'ai quitté ce monde. Quand et que drôle. Je vous ai cédé cette formidable entreprise, oh. Abstergo, qui représente le grand espoir de l'humanité. Ne faites pas confiance à ceux qui vous conseillent dans votre entourage. Leurs préoccupations sont superficielles. Ils sont bien trop attachés à leur mode de vie. Nous avons créé le capitalisme, mais nous ne sommes pas des capitalistes. Notre cause est noble. Le système de contrôle que nous avons mis en place grâce à l'argent est loin d'être infaillible. Il n'est qu'un moyen de panser une blessure à laquelle nous avons consacré toute notre vie. Les habitants de ce monde ne savent plus quoi penser. Ils se sentent perdus et incapables de produire quoi que ce soit de façon autonome. Sans nous, ils ne seraient rien de plus que des animaux, les esclaves de ceux qui étaient là avant, qui n'ont pas mérité une telle responsabilité. Nous les avons sauvés. L'auriez-vous oublié ? Ben, assez parlé du passé. Je dois vous mettre en garde. Une grave crise se profile. Tous ceux qui vous entourent nieront l'évidence, mais bientôt nous serons dans l'incapacité de créer de nouveaux marchés. Les populations n'écouteront plus nos économistes. Elles ne seront plus sensibles aux divertissements que nous leur proposons. La fin de l'économie de marché se retournera contre nous. C'est pourquoi il ne faut pas attendre. Jusqu'ici, vous avez vu ce que seuls les grands maîtres de notre ordre ont vu.
Désormais, vous connaissez la raison d'être d'Abstergo et pourquoi tout ceci était nécessaire. Et vous savez maintenant ce qui vous reste à faire. Vous devez aller jusqu'au bout. Nous les libérerons de la peur, de la pornographie, de ces besoins primaires répugnants, et aussi de la démocratie. Un jour, l'humanité nous remerciera. In hoc signo vinces. Chargement. Plus 64 cases, toutes les rangées, toutes les lignes, chaque coup est anticipé, chaque réponse calculée. Abstergo l'a créé. Ce jeu est celui de la compagnie. Il n'y a pas d'issue. Plus H acte 2 SC2 192 Abandonos Adjustuam Liberamentem. Le roi F2 à vous. Le plus est en rouge. H, acte 2. S, C2. Quoi, H2? Le roi F2 à vous. Ah, mais je suis échec et mat. Si mon roi s'en va là, le cheval. Si mon roi s'en va là, la reine. La reine, la reine. Mais je suis fait. Je suis échec et mat. Le jeu leur appartient. Si tu veux que je fasse, man. Tu veux que je fasse quoi, man? Ah. Et voilà. Chargement. C'est ça, je venais de comprendre. J'essaie de me débarrasser. Je m'en suis débarrassé, mais rien n'y fait. Le moment est presque venu, Desmond Miles. Je sais comment ouvrir le chemin. Bientôt, ma raison d'être sera révélée. Bientôt, je ne serai plus seul. Chargement. Zone de quarantaine. Rien n'est vrai, tout est permis. Les assassins font les moves, les rois font les moves qu'ils veulent. Ok. Hop.
Quarantaine levée. Il n'y a rien ici. C'est bizarre. Je vois une grande quantité de données. Le miracle est dans l'exécution. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai pas la moindre idée. C'est son côté nihiliste, peut-être. Il se moque de nous. À moins que... Ce soit pas une vidéo. Attends. Lance-le dès que tu es prêt. Mission en cours sera annulée. What? Ah oui, j'irai refaire ma mission, c'est tout. M'en fous. T'as une infiltration, c'est cool. Oh. What the freak is that? À découvrir cette vérité-là que dans l'autre. La vérité est dans l'exécution, faut les exécuter la vidéo, genre. Yeah.
vais voir, je suis capable d'y aller. Compilation des sous-systèmes. Infrastructure. Tendon. Cœur. Voix. Sujet 16. Oui, oui, enchanté, sujet 17. Tu es mort. J'ai vu ton sang. Le temps presse. Beaucoup plus que tu ne le crois. Il est trop tard pour les sauver. Qui ? Elle n'est pas celle que tu crois. Tout ce que tu espères devenir, tout ce que tu chéris, ça n'existe plus. Explique-moi, je t'en prie. L'Éden, elle... Dans l'Éden, trouve Ève, la clé, son ADN. Continue. Impossible. Le soleil, ton fils... trop faible, il faudrait... plus d'énergie. Attends! Je serai avec toi jusqu'au bout. Retrouve-moi dans les ténèbres. Ah. What the freak? Malade. Oh non, mais fucked up. Oh, tu vas bien. Tu nous as fait une de ces peurs. Ça va. Je crois que j'ai vu 16. Ah, te revoilà, Desmond. Je sais pas si c'était réel, on aurait dit un rêve. J'ignore ce que c'était, mais c'est plus là. L'animus réagit normalement. Fais une petite pause avant d'y retourner, d'accord ? Je voulais pas te faire peur. T'inquiète pas pour moi. Ok. J'ai jamais levé. On y retourne. Nice! Nice! Ok, tout est paré. Une chance que je peux retourner dans le bain. Oh my god! Le lag! Ça m'a jamais réveillé. J'étais couché. Ok, mais je suis revenu là. Ah, mais c'est pas spécial. Oh! What? Mais c'était incroyable! Elle n'est pas ce que tu penses. Le sujet 16. Le sujet 16 est capable de communiquer. Il était fort. Puis il a trouvé des trucs, lui, d'après moi. Des trucs qu'on devrait pas savoir. Bon, trouver la porte secrète. Ok. Ça part. What the fuck? Qu'est-ce que tu fais là, mon chum? Secrète par là-bas, hein? On va aller voir ça. Oh my god. Non, mais il est sérieux, le garde. Dégage. Malade pété dans la tête. Ce jeu-là a une histoire pété dans la tête, bien raide et débile.
meilleur visuel si je vois à sa place à lui. D'assassiner à partir de cette hauteur-là, mais sûrement. C'est dans la salle à manger plus haut. Je ne comprends pas. Hier soir, j'ai demandé à ce qu'on me livre de la cantarelle. Je suis affreusement désolé, mia signora, mais le pape a tout pris. Où est le pape? Il est avec Cesare. C'est étrange. Il ne m'a pas dit que Cesare était revenu. Cette femme est une véritable plaie. Ah, j'étais plus heureux aux écuries. Ce pape a une drôle de famille. Ok. Donc là, ça veut dire que les autres ils vont se promener puis qu'ils vont revenir. Comment ça qu'il fait ça? Oh my god. Grosse merde. Oh.
tellement proche. Thomas. Fuck you. Ah bon. Bitch ass que je me suis fait spotter. Comme ça, c'était con. C'est ce que j'en pense d'Assassin's Creed. Trop chiant. Encore un autre. Et ça tombe toujours sur moi. Le capitaine va être furieux. Qui a vu ce qui s'est passé? Sérieux? What am I supposed to do? Ooh. What am I supposed to do? Pratique à rester irrepérable. Jeu con qui m'a fait avoir en une fraction de seconde à cause d'un cave qui va direct d'un mur. Fais là, toi. Hein? Yo, agrippe-toi. Merci. Je veux une explication. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mes fonds, mes troupes, plus rien. Nous avons tous des difficultés financières, avec ou sans armée. Est-ce que vous comptez me donner de l'argent? Non, pas du tout. J'utiliserai le fragment d'Eden pour parvenir à mes fins. Et je n'aurai plus besoin de votre aide. Ça, il me semble l'avoir très bien compris. As-tu appris que le baron de Valois a trouvé la mort? Non. Vous ne... Pourquoi aurais-je donc voulu ordonner sa mort? Aurait-il comploté contre moi avec mon brillant et perfide capitaine général? J'en ai déjà assez entendu. Ce sont les assassins qui l'ont tué. Vous auriez dû les en empêcher! De quelle manière? Ce n'était pas ma décision d'attaquer Monteligione, mais la tienne! Il serait grand temps que tu assumes la responsabilité de tes actes. Ouais. Non, de mes exploits. Ce que j'accomplis, malgré l'ingérence d'incapables tels que vous. Fait que c'est même pas lui qui a pris l'attaque. Désolé, tu n'iras nulle part. Le fragment d'Eden est à moi. Écarte-toi de mon chemin, vieil homme. Je t'ai pourtant tout donné, mais tu n'en as jamais assez. Cesare, notre père veut t'empoisonner. Tu ne voulais pas entendre raison. Père, êtes-vous aveugle? Je contrôle absolument tout ici. Si je veux vivre, je vis. Et tout ce que je veux, je le prends. Et si je veux vous tuer, je vous tue. Où est le fragment d'Eden? Arrête! Je sais où il est!
Pourquoi tu m'as caché qu'il l'avait dérobé? Cesare, c'est moi, ta reine. Tu es ma sœur, rien de plus. Où est-il? Tu ne m'as jamais aimé? Où est la pomme? Parle! Réponds! Une pomme par jour, récupérer la pomme d'Eden avant César et ne tuer personne. Attends un peu, Cesare. Je vais passer par cette fenêtre. Donne-moi la pomme! Non, pas une synchro 50%. Je te fais souffrir! Où est la pomme? Elle est à moi! À moi! Donne-moi la pomme! Et où la fenêtre? L'autre bord? Je te fais souffrir! Où est la pomme? Elle est à moi! À moi! Je peux faire repérer, on dirait bien. Donne-moi la pomme! Je te fais souffrir! Où est la pomme? C'est une sage décision, petite sœur. Requiescat in pace. Ok, fait qu'il l'a empoisonné. Je sais. Je sais où va ce maudit chien. Saint-Pierre. L'édifice dans la cour. Saint-Pierre. Merci. Personne, ça veut dire run. Je connais pas la place, moi. Apparais-tu? Tourne en rond un peu. Ok. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Ok. Assassino! Cazzo. Je m'occuperai de toi, plus tard. Ok. Non, oh, je suis cave. La 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 la. Réflexe d'assassin. Le frais. Ben si ça me tente. Ma balance rendue là. Wouh! Cesare? Personne, faut juste courir. Ah ouais, il a dit go. Ok, ça c'est un petit peu stupide d'avoir fait ça comme ça. Ah, ok. Je pensais que je l'avais semé, mais non.
d'une pour un dude. Un dude. On aurait pu faire ma synchro totale. Dang! Toi! C'est ça que tu cherches? C'est terminé, assassino! L'heure est venue de périr par mon épée. Oh! Garde! Échappez-vous du Vatican avec la pomme d'Éden. Ne perdez pas de santé. Rendu où j'en suis, les synchros, là, et je les ai dans le trou trou fiofion. Maintenant! Tuez-le! Maintenant! Ça me fait tuer, Zigwe. Ok. Weird. Ah ouais! Ne perdez pas de santé. Je te dis, jeu là, des fois, et. Ça, j'ai pas mangé un coup, j'ai rien eu, là. Rodrigo Borgia est mort. Et Cesare? Empoisonné, mais vivant. Il ne faut pas le laisser rassembler ce qui lui reste de partisans. Les semaines à venir seront cruciales. Grâce à vous tous, je vais le traquer. Je vais envoyer mes hommes, mais c'est une armée qu'il faudrait. Pourquoi c'était quoi là, tu dis? Wow. Alliance, l'armée romaine de Cesare à Rome ne lui laissant aucune chance de lancer une contre-attaque. Ça défile. My goodness. Mais nul la pomme. Après que je l'ai utilisé, tu te mets à quatre pattes puis tu meurs. Au cave. Et hein, je l'ai dit. Attention. Vous devez les trouver. Ils sont partout et nulle part à la fois. Toutes ces complications ne m'intéressent pas. Seuls nous échouerons, signore. Il faut nous aider. Je suis malade, idioti. Micheletto sera bientôt là avec mon armée. Et là, vous allez voir comment on éradique ces maudits assassins. Micheletto, il est mort. Tu te berces d'illusions, Cesare. Garde! Quel est ce sortilège? Ah. Faut que je te la maintenir. Épargnez-moi! Comment est-ce possible? Il diavolo! Toi, tu veux te battre? Ah, j'ai pas joué d'utiliser la pomme. Sorry. Oh. Ok. Fuck. Arrêtez, j'ai peur de la mort. Enfin, ok. Comment je fais quand t'es rechargé ou pas? J'ai peur.
Ah, c'est ça ma vie? La pomme d'Éden me consomme de la vie? Oh! My god! Ne perdez pas de santé, je viens de comprendre. My goodness, understand now. Ok, je peux juste cliquer, je garde pas mon doigt. Ça l'y tue. Ok. Non? Pas assez proche? Ok. Ok, merci. Hey, 100% synchro, let's go, gang! Et plus j'utilise la pomme, plus je me tue. Ça, je disais, c'est cave. J'avais pas vu ma vie. 1503. Un cardinal a finalement confessé que Cesare prévoit de retrouver les partisans des Templiers en pleine campagne. Le cardinal devrait le rejoindre ce soir. Je vais le suivre. Mettez un terme à les réunions de César et les cardinaux pour qu'ils ne puissent pas solliciter leur aide. Encore avec ma pomme? Sérieux? J'ai d'autres choses à faire que me battre avec une pomme? Hop là. Ok, je suis connu à côté là. Ok. Je comprends. Aurait-il perdu la raison? Ben voyons donc. C'est des mensonges que tu fais là, vieux sénile. Joignez-vous à moi et je reprendrai Rome. Nous avons préféré élire Della Rovere au trône pontifical. C'est ainsi. J'ai pourtant payé pour votre nomination. Rome n'est plus exactement la cité qu'elle fut jadis. L'argent des Borgia est une souillure. Vous le regretterez amèrement. Assassino ! Courez ! Tes sbires t'avaient promis leur sang. Mais dès que tu as besoin d'eux, ils te trahissent. Garde ! Allez-y ! Allez dedans, bâtard. Ok. Non mais là, vous êtes sûr. Voyons.
Aïe aïe. Big zone. Mais j'ai plus de vie. Ouais, faut être vraiment très proche. Je sais pas la cible que vous voulez, tu sais. Boum. Ah ouais, lâchez pas. Et là, là, tu es là, là. Il se dirige droit vers nos quartiers. Mais. Oh, Big. Tu es quelqu'un, bâtard. Cible éliminée 2. Mon épée qu'avec ton orbe de cul, man. Pas pris ça? L'orbe qui pue. Après un coup de zan, on est avec les mercenaires en décembre 1503. Mes hommes m'ont appris que Cesare et ses meilleurs soldats sont massés devant la grande porte de Rome. Rassemblez les assassins. Nous allons les affronter. Retrouver les autres assassins pour affronter Cesare et ses derniers partisans. Il a réussi à sortir de la maladie, lui. Il est pas mort encore. Poison, il est... Ah non, je me bats avec la pomme. Ah, gros Big. Toute l'Italie sera unie sous ma bannière. Et vous tous régnerez à mes côtés. Je donnerai, là. La Porta Aurelia. Vous venez me voir triompher. Micheletto sera bientôt là avec son armée. Micheletto, mais vous serez mort bien avant. Insieme per la vittoria. Vittoria! Let's go. Ma soeur qui est rendue quasi-bas. Oh my god, oh my god. Qu'est-ce qui se passe? Attention tout le monde, j'ai la pomme de Zedden. Dans votre tête. Vous avez peur, hein, de mon pouvoir magique? Faut que je gagne du temps, me fout de la vie! Vous deux, là, vous êtes méchants. Biz. On t'a rendu mon contrôle. Bientôt, tu paraîtras devant Dieu, et je reprendrai possession de mon empire. Dépose les armes, Cesare Borgia. Les troupes de Micheletto se massent derrière moi. Nous allons enfin reprendre possession de ma cité. Cette cité n'est plus la tienne. Par ordre du souverain pontife, Jules II, je vous arrête, Cesare Borgia. Oh, oh. Vous êtes accusé de meurtre, trahison et inceste. Non, non. Non, non, ça ne peut pas finir ainsi. Je me libérerai de mes chaînes. Je ne périrai pas de la main d'un homme. Ah ah, gros calme. C'était plutôt sa façon de le dire. Je me libérerai de mes chaînes. Si cela t'inquiète, il y a un moyen de vérifier. Non, elle est trop dangereuse. Nous devons la cacher hors de portée des hommes. Quel dommage. Un tel chef-d'œuvre soustrait au regard du monde. Il le faut. Et s'il pensait vraiment ce qu'il a dit?
Le risque est trop grand. Cesare avait raison, je dois partir. Tu abandonnes tes amis ? Cette confrérie va perdurer, avec ou sans moi. Et qu'est-ce que tu comptes faire ? Semer une graine. Tiens, pour toi. Puisque tu nous quittes, garde ton argent. Je n'en veux pas. Nous nous reverrons un jour. Je te le promets. Buona fortuna, mon vieil ami. Et prends cet argent. Avec ce qu'il te paie, tu n'as pas le choix. Maintenant que je n'ai plus de mécène. Hey hey. Tous les chemins mènent à... Oh, le jeu de mots pour la fin du jeu. C'est qu'ensuite terminé. Wow. Nouveau objet débloqué dans les échoppes de marchands d'or. Wow. Nouveau contrat débloqué. Wow. C'est la fin du jeu, là. Vittoria Agli Assassini. Ben voyons. Qu'est-ce qui se passe? Wow! Comment m'as-tu trouvé? La pomme que tu as volée à Mario Auditore m'a conduit ici. Wow! Tuez-le! Tu es l'assassin! Règle son compte à ce maldito bastardo! Ah ouais. Tu vas me battre avec mon épée là? Ouais! Je vais me battre à l'épée! Ouh! Ha ha! Ça, c'est... Tu m'as un boulet? Ah! Aïe aïe! Vianna. Mars 1507. Séquence 9, la chute. Il me faut des munitions. J'en ai des munitions. J'irai bien plus vite à cheval. C'est ce que je t'ai dit aussi. On va prendre un cheval. Wow, wow, wow! Wow, wow, wow! Wow! Bang, bang. Wow! Traverser les ruines du champ d'olivier. Wow! Non! La boîte est en suspens. Damn! Non, c'est du gazon, j'ai rien dit. Wow! Zone non autorisée. Bon, c'est pas ici. Arrête de monter là, je veux que tu montes ici. Oui. He oído. César Borgia comanda a los navarros. Bien. Una vez gobernó en Roma. ¿Qué ocurre? Dicen que un asesino mató a su gente. Los gobernantes no son más que hojas en el viento. No te daré bien. C'est pas trop alerté de monde. Hop! Perfecto. Let's go, let's go! Ayúdeme! Perfect! Mi hijo está herido! Mais voyons. No voy a hacerte daño. No.
Sérieux, je vais être anonyme. Oh my god, pourquoi ils sont tous arrivés one shot? Je les avais tous esquivés. À tour de siège pour finalement qu'elle détruise. Oh! Sur le dos là. Ouais, l'équilibre. Il est bon. Une roche là. Une roche sur le dos. Mais rien d'autre. Ça devait être anonyme. Bon ben, y'a pas de cachette. Bon ben! Ça fait 5 heures. Allez, allez. Grain, espèce d'assassino. T'es fait bon, t'es fait bon. Oh, oh, oh. T'es fait fort, mon chum, lâche peu. Il est bon. Allez, Ezio, allez! T'es capable, mon gars! Lâche pas ça, t'es fait fort! Ah oui, ah oui! Ok. Cesare! Tu es prisonnier des murs! Tu ne peux pas t'échapper! Alors viens, Ezio! Ah ouais! Je suis invincible! La fortune est de mon côté! Il n'y a jamais eu meilleur combattant que moi! Méchant bon combattant! En arrière! Je ne coûterai jamais à la défaite! Jamais un auditore n'aura raison de moi. Rome, l'Italie, l'Espagne. Ah bah ouais, je pète la gueule. Clang, enlève-les ton torse. Allez, attrapez-le.
Oh! Le trône m'était promis. Désirer ne suffit pas, il faut se montrer digne. Qu'est-ce que tu en sais? Gouverner le peuple, c'est d'abord agir pour son bien. Je conduirai l'humanité dans une ère nouvelle. Puisse-t-elle oublier ton nom pour l'éternité? Requiescat in pace. Tu ne peux pas me tuer. Aucun homme en ce monde n'en est capable. Alors je te laisse entre les mains du destin. Oh. Boom. Le trône m'était promis. Qu'est-ce que tu en sais? Je conduirai l'humanité dans une ère nouvelle. Tu ne peux pas me tuer. Aucun homme en ce monde n'en est capable. La pomme d'Eden avec le bâton. Requiescat in pace. Nice. Le voilà. Le Colisée. Allons-y. Nous y serons avant l'aube. C'est là. Attendez, que je cette porte avait l'air bizarre. Je crois pas avoir vu de poignée. Je vais lancer une analyse. Génial. Il va falloir qu'on trouve une sorte de clé futuriste. C'est étrange, on dirait qu'elle s'ouvre avec une sorte de commande vocale. J'avais encore jamais vu ça. Alors il nous faut un mot de passe? Et cette sifflée, la cinquième de Beethoven. Oh. Saloperie de réseau européen. Ah, oh, on peut plus accéder aux souvenirs des Tsio pour trouver le mot de passe. Oh oh. Il faut qu'on trouve ce mot de passe. Et Tsio le connaissait, lui. Pas de chance. Il est mort. Je n'y crois pas. On est coincé ici. Ça va être à moi d'aller checker le courant, là. Ça a peut-être un rapport avec ça. Comme ça apporte. Le symbole, c'est celui de la porte du sanctuaire. 1419, 1420, 1421. Et si c'était pas des dates? 1419, 1420. Dieu tout-puissant. Quoi? C'est ça. Vas-y, accouche! Du calme, oui, j'y viens! C'est le tétragramme, les 72 noms de Dieu. Vous voyez? Ils sont contenus dans trois versets, Exode 19 à Exode 21. Et il y a mieux que ça, si on inscrit les quatre lettres hébraïques du nom de Dieu dans un triangle équilatéral, la somme de leurs valeurs numériques donne toujours le même nombre, 72. Attends, t'en es sûr à 100%? Si je n'en étais pas sûr, je garderais ça pour moi, Rebecca. Mais attendez, la cerise sur le gâteau! La construction du Colisée a débuté en l'an 72. On l'a, notre mot de passe. Sean, ramène le camion.
quand même la vidéo va être plus longue que je le pensais. Je suis déjà venu. Je sais. Allons-y. Et nous alors? Vous risquez d'avoir besoin d'un historien là-dedans. Sean a raison. Ce tunnel va nous conduire sous le Capitole. Je vais les aider à trouver une autre entrée. Sois prudent, Desmond. Je conduis. Ah, oui, c'est ça. Tu rêves. C'est quoi le mot de passe God, monsieur? T'as pas de suivi, là. Pas évident, là. Ça se passe des affaires. Ok. Lucie, je continue d'avancer vers l'entrée. J'ai compris. Si jamais tu croises des gladiateurs, un bon conseil, sauf toi. Merci du conseil. Incroyable, dire que j'aurai bientôt la pomme. Tu attends ça depuis si longtemps. Tu l'as mérité. Je me demande ce que ça va changer. Wow. Ça nous permettra vraiment de prendre l'avantage? Il y avait des esprits de Romulus. Ça, j'en suis sûr. C'est forcé. Ah, il va le teindre mon œil. Tu peux y aller. Et qu'est-ce qu'on va trouver? La carte qui nous mènera au temple. Et c'est la pomme qui va nous faire ce cadeau. Hein, c'est ça. Moi, je ne crois plus au Père Noël. Peut-être qu'on aura de la chance cette fois. Ces constructions. C'est un vrai labyrinthe. Autrefois, les rochers abritaient les cages des gladiateurs et les machines qui les amenaient à la surface. Ce qui veut dire qu'à l'origine, il y avait une arène juste au-dessus de ta tête. C'est bon à savoir. Débile dans ta tête. Allez. Capable, c'est pas. Il y a un truc qui me chiffonne. On est le 10 octobre aujourd'hui. Oh, cheval. Et encore combien de jours avant le lancement du satellite des Templiers? Je crois bien que je connais la réponse. 72. Pourquoi ce jour est si important? On récupère la pomme et on s'en va. C'est le code de la porte. Décidément, ça nous facilite la tâche. 72. Ouais, c'est clair. Parfait. Cet endroit m'est familier. Steak, please. Thank you. Spooky. Ah,
Nous confions à ces lieux l'épilogue de notre histoire. Que seuls ceux qui en sont dignes puissent le connaître. Qu'ils y soient guidés. Que leur chemin les conduise ici. Que cette découverte sauve le monde que nous leur laissons. Qui êtes-vous? Wow. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Au commencement, nos vérités étaient confiées à des parchemins, à la pierre, à la mémoire des hommes. Mais ces choses-là sont éphémères, purifiées par le feu, purifiées par la famine, purifiées par le déluge. Le monde a retrouvé son innocence. Son innocence et son ignorance. J'arrive. Bah, c'est pas trop tôt. Quel est cet endroit? À Santa Maria da Racoeli. Vous voyez ces colonnes dans les allées? Elles viennent de ruines romaines. D'après ce que j'ai lu, cette église aurait été construite sur l'ancien temple de Junon. Sympa, le plafond. Tu aimes le plafond? On ne s'ennuie jamais quand on voyage avec toi. Il y a quelque chose là-haut. Bon ben, on n'a plus qu'à rester ici. Et puis, se mettre à prier. Belle vieille switch up au milieu de l'église. Nous ne les avons pas dotés de la sagesse. Même imparfaits, ils représentent notre dernier espoir. Vous l'êtes. Vous seul pouvez comprendre. Mais vous avez brisé nos outils,
Vous en avez fait des armes. Nous avons détruit tout ce que nous pouvions. Le reste, nous l'avons enfoui. Ça s'est ouvert! Presque tout. Et pas tout. Et il en faut si peu pour comprendre le monde. Ce lieu est un sanctuaire éternel. Pour les objets, les mots, la sagesse. Mais il n'abrite pas la vie. Nous étions pourtant près du but. Mais le temps nous affaiblit. Nous pouvons l'éloigner. Voir au-delà de ses limites. Nous soustraire brièvement à son emprise. Mais celle-ci est trop forte. Son énergie est infinie. Nous ne pouvons échapper à son étreinte. C'est impossible. Oups. Charles Desmond, c'est un homme très courageux. J'aimerais savoir quelqu'un faire ça dans la vraie vie. Pas trop envie de se chier dans un short. C'est ici. Tiens, tiens. Ça, c'était pas sur les plans. Desmond, reviens ici. J'arrive. Quoi que ce soit, ce truc ne sert à rien. C'est une impasse. Je ne sais pas si... Tu as l'intention de nous tuer, il va falloir te montrer un peu plus efficace. On est là. C'est la madame. Maintenant, le mot de passe. J'espère que Sean ne s'est pas planté. Je ne me plante jamais. Ah ouais? Et cette impasse? Quelle impasse? Je ne me rappelle pas. Comprends notre langue? Allez, vas-y! Ok. 72. Apparemment, la pomme est au centre. On va enfin savoir où sont les temples. Portée.
un autre sens. Puis, quand le monde fut perdu, nous avons tenté de le transmettre par le sang, de vous rapprocher de nous. Vous percevez les lueurs bleues, vous entendez les mots, mais le savoir vous échappe. Attends, j'avais du temps. Oui, mais c'est parce que quand j'active les trucs, la madame elle parle puis j'entends rien. C'est ça, là, cette espèce de vacarme-là, j'entends fuck all. Rip wish. Entendu ça? Entendu quoi, Desmond? Je parle juste à toi, hein? C'est malin. On a réussi. J'arrive pas à croire qu'on ait enfin réussi. On a... J'ai pas mal trop l'impression que c'est moi qui fais tout, mais c'est correct. Sont-ils ces temples? Tu veux que je lui demande? Essaie de parler par la pensée. T'es sûr d'avoir bien formulé ta demande? Attendez, je connais ce symbole, c'est le bonnet phrygien. Il représente la liberté. Ça, c'est l'œil de la Providence. On ne les trouvera semblés qu'à un seul endroit. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus bouger. Ton ADN communie avec la pomme. Tu viens de l'activer. Laissez-moi! Au 72e jour avant l'instant suprême de l'éveil, toi, issu de nos entrailles et de celles de nos ennemis, la fin et le commencement, nous te méprisons et t'honorons. L'ultime voyage a commencé. Il en est une qui doit franchir le seuil avec toi, mais elle échappe à notre vue. La croix obscurcit l'horizon. Qu'est-ce que vous faites? Il est temps d'ouvrir le chemin. Tu ne peux échapper à ta destinée. La balance doit s'équilibrer. Arrêtez! What the freak? Tu ne sais presque rien. Nous devons te guider. Faut tuer Lucie? Cesse de lutter. Ben voyons. Non!
C'est fini. Le chemin s'ouvre juste devant toi. C'est à toi de la trouver maintenant. Recours au sixième sens. Va, seul. C'est une croix noire. Ça veut dire que elle what? Ça veut dire que Lucie, ça serait une droite de ce que la madame fantôme a dit. What the fuck? What the fuck? Oh! Damn. La musique la laisse aller. Je travaille demain matin. Minuit. Je suis pas correct. Dame. Ah, la... Merde, il est en état de choc. Dans la machine, vite. C'est le seul moyen. Après ce que l'animus lui a fait? C'est qui l'expert ici? Allez. Non. Development Team Ubisoft Québec.
Assassin's Creed Brotherhood. On va faire le jeu ici en à peu près 16-20 heures en une fin de semaine. En une fin de semaine! Peut-être abusé. Vendredi soir, samedi, dimanche. Pouf! Petit capoté dans ma tête. C'est ça que ça fait, là. Ouais. Pas faire 100% des trucs, puis. Pas exagérer non plus. Il y en a en masse à faire des Assassin's Creed, mettons. Il y en a beaucoup à faire. J'ai mon armure de loup. J'ai fait l'exploration des tours. Bizarrement, j'ai fait toutes les quêtes des courtisanes. J'ai 94%. Les quêtes principales. Les quêtes de Christina, qui était triste. Pauvre Christina, pauvre Ezio. Avec Ezio Auditore. Fait qu'avec Ezio, on a sauvé Rome de l'influence Borgia. Toutes les Borgia sont morts. Cesare s'est fait mettre en prison. On a retrouvé la pomme d'Éden qui avait été volée. Puis Ezio est allé la porter là. Puis nous autres, on est revenu dans notre monde en dessous du Colisée de Rome. Puis on a trouvé le lieu, on l'a fait, on a pogné la pomme d'Éden. La madame l'esprit, elle m'a fait connecter avec la pomme et elle m'a demandé de. Elle m'a contrôlé pour tuer Lucie. Parce que c'était une croix noire qui bloquait notre façon de penser aux autres gens. Incroyable. Shunsuki Saiki, Fumiko Ayoyama, Aiku Zugenu. Korean version, Japanese version, Norwegian version, oh, ouais. Polish, Russian, Spanish version. Swedish version. Ouais, faut finir bientôt, le gang. Yeah. Parce que moi, faut que j'aille me coucher, man. Faut que j'aille me coucher, là. Fatigué.
ah ouais, fini, bâtard, c'était bien long. Faire pour vrai les 3 heures de vidéo là. Pas de sens. Ah ouais là, les compagnies là, let's go. C'est tout. Ça me fait revenir vraiment juste ici. Le jeu finit comme ça. Oh my god. Oh my god. C'est quoi les derniers qui me manquaient? Cette porte dans le mur d'Aurélien se trouve au sommet du génicule et donne sur les Via Aurelia. Il fut rebaptisé porte Saint-Pancras.
Saint-Pancras après sa restauration par le pape Urbain VIII. Au 17e siècle, la Via Aurelia servait de lien entre Rome et la France sous la République et au Moyen Âge, principalement dans les cadres d'échanges commerciaux. Vienne, je suppose que tu te demandes ce que Cesare Borgia est venu faire ici, je vais t'expliquer. En 1506, Cesare était emprisonné au Castille. Un complice lui fit parvenir une corde. Cesare grimpa à la fenêtre et fit une chute de 20 mètres. Il se fractura quelques os, mais sa chute avait été amortie par un serviteur qui l'avait précédé. Le malheureux avait les deux jambes cassées. Il était donc condamné à être capturé et exécuté. Cesare parvint à s'enfuir en se déguisant en marchand et montant dans une petite embarcation à destination de Santander. Il rejoignit la Navarre, dirigée par son beau-frère. À l'époque, la Navarre était une proie à des troubles secrètement orchestrés par les Castillans. Le roi demanda à Cesare de prendre la tête d'une armée de 10 000 hommes et de reprendre le château de Vienne au comte de Lorrain et ses alliés castillans. Cesare écrivait alors cette lettre à Lucrèce. « Quand le château sera repris, je pourrai compter sur le soutien des Français et je reviendrai triomphant à Rome. » À Rome. Eh bien, château de Vienne. Le palais fortifié de Vienne, aux mains de Louis de Beaumont, fut assiégé par Cesare Borgia à la tête d'une armée de 10 000 hommes. Le château faisait figure de forteresse imprenable. Cesare Borgia décida donc de tenir le siège pour affaiblir les troupes qui s'y étaient retranchées et les forcer à tenter une sortie désespérée. Il ne fut pas déçu. Eh bien voilà, ça conclut Assassin's Creed Brotherhood. Il manquerait juste à faire les petites missions là, de contrôle d'assassinat et blabli, mais là, tout le temps la même affaire. Toi, tu es un tel, tu es un tel, fait que ça sert pas à grand chose. On va aller dans le prochain Assassin's Creed Révélation, le dernier de la trilogie de Ezio Auditore.